Good morning, allez, Iden, et sur aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal, Daniel Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, désirez une prochaine étude de Mishnah. Quand on fait 5 minutes éternelles, nous irons à Sechet Souka, Père Guimel, Mishnah, Chet, et Tet, excuse-moi. Ve'echan ayu mena ne'in, behoudou l'Hashem, techel abasof, ban Hashem, hoshiyana, techel, ou bet, divre bet yelel, ou bet shamay omrim, af ban Hashem, atzlichana. אמר רבי עקיבא, צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע שכל העם היו מנענעין את לולפיהן והן לא נענעו אלא בענה השם הושיענה. מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול לכשייכנס לביתו, ייטול על שולחנו. לא נטל שחרית, ייטול בן ה-40 שכל היום כשר ללולב. On a fini de préciser quel type de loulav, de etrog, de hadas, de arava, quelle quantité prendre, quelles sont les conditions requises pour qu'il soit kasher. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième phase. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu le balances? Et chanoyumenanein, où fallait-il le balancer? À quel moment de la tfila fallait-il balancer le loulav? On va expliquer après c'est quoi, pourquoi il faut le balancer, ça rapporte dans le Bartenor ici. Alors la Mishnah nous dit, behodu l'Hashem, techila vasof. Ah, odu l'Hashem, du début et de la fin. Il y a deux fois le pasouk, Hodou l'Hashem qui tombe dans le Halel. Quand on commence, Alléluia et Hashem, Kol Goyim, Shabakou, Kol Aomim, Givarlanou, Chazouvem et Hashem, Elolam, Elolam. Et Hodou l'Hashem qui tombe premier. Et tout à la fin, quand on fait Baruch Rabba Vechem Hashem, Belachnou Chemim Bet Hashem, là-bas, ça se finit avec Hodou l'Hashem. C'est Hodou l'Hashem du début et de la fin, tu balances là-bas. Ou bien Anna Hashem, Hoshiana, et aussi quand tu dis le pasouk Anna Hashem, Hoshiana, et qu'on a l'usage de doubler, ça fait que tu balances le loulav 4 fois. Ça, c'est l'avis de Bet Hillel. Et Bet Shammai ajoute qu'il faut même aussi, au Bet Shammai Omrim, Af Be'ana Hashem Atzlichana, même aussi quand tu dis le pasouk Ana Hashem Atzlichana. Parce qu'en fait, c'est le même pasouk. Ana Hashem Oshiana, Hashem Atzlichana. Dans le Tehillim, c'est dans un seul verset. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Nous, on le double, on même le quadruple. Ça fait deux fois le Shalir Tzibor, deux fois le public qui reprend. Mais concrètement, c'est un seul pasouk, donc du coup, Beit Shammai te dit, tout le pasouk, tu le fais en balançant le loulav. Balancer le loulav, ça sert à quoi? Ça exprime quoi? Pourquoi il faut le balancer? Alors, il y a plein de midrashim, on a parlé de ça récemment dans 5 minutes, que le loulav représente les 4 lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke, le Hadas, et la Harava, et le loulav, et le Etrog, ça fait Yudke Vavke, tout ça. Et on exprime par ça que Hashem domine tout le monde. C'est la période à Sukkot. On est jugé sur l'eau, sur les pluies de l'hiver qui vont venir. Est-ce qu'elles sont des guishme bracha ou pas? En reconnaissant le fait qu'Hashem dirige le monde. Et que c'est lui qui dirige les 4 points cardinaux, tout le vent, les vents et les nuages et la pluie. Alors, par ce mérite, il va bien nous juger pour l'eau. D'accord? Pourquoi le faire au-delà Hashem Kitov et Ana Hashem Hoshiana? Ça, c'est juste un autre pasouk qu'on dit tous les matins. Aziran nenu atza yar milifne Hashem ki ol ishpot at haaretz u-delà Hashem Kitov ki lol machazdo v'imru Hashanu elohi Hashanu v'kevetzenu v'etzelenu nagwim. Et on a dit quoi? Aziran nenu atza yar. Alors les arbres de la forêt chanteront milifne Hashem ki ol ishpot at haaretz devant Hashem qui est venu juger la terre. On parle bien sûr que ce sera au monde futur, mais déjà, ça s'exprime depuis tout de suite que les arbres chantent. Ça veut dire que les arbres chantent. Prenez le lave et faites, balancez-le, faites les nanoïm. Vous allez entendre qu'il fait clac, clac, clac. Il est en train de taper des mains. D'accord? Ça, c'est taper des mains, c'est dit dans le pasouk. Becholatza sedeim chaouchaf. Les arbres des champs hein, taperont des mains. Imchaouchaf. Ça, c'est quand on entend le clac, clac. Là, le pasouk, il se contente de me dire ils chanteront. Ils chanteront, ils taperont des mains, ils chanteront. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils chanteront? Odou l'Hachem Kitov, qui est l'homme phrase d'eau. D'accord? Reconnaissez à Hachem, car sa bonté elle est éternelle. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk ensuite? Oshienu, sauve-nous. Donc, Odou et Oshienu, tu fais que ton arbre chante, c'est-à-dire que ton lave va faire clac-clac. Ça, c'est pour les Ashkenazim qui font clac-clac avec le lave chez les Sfaradim, c'est un peu plus compliqué à comprendre comment ça fait que les arbres chantent, puisque chez les Sfaradim, on se contente pas, on remue pas, on n'est pas mécasquesse. Parce qu'on a juste de rapporter le lave, de l'envoyer, de le ramener. Comme le précise le Arizal, ça c'est l'usage en vigueur. Pour notre propos, on continue. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Tsofaïti Verban Gamliel Verabi Yoshua. Je regardais
Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Il était plus jeune de qu'eux, apparemment. Et Shekola, Amayomananaïn et Tlulveen, que tout le peuple, toute l'assemblée, eux, ils balançaient leur loulav, tandis que Vehen et les deux Kenim, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, Loninehuela Beana Shemoshiana, ils se contentaient uniquement de balancer, secouer leur loulav, que lorsqu'il y avait un pasouk dans Anna Hashem Moshiana. En fait, Rabbi Kiva vient de dire, tu sais, là, la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, le monde avait pris l'usage de suivre Beth Shammai, de balancer le loulav à tout va, même quand ils disaient Anna Hashem et Tzlechana, mais nous, on a bien vu que les Chachamim, Rabbi Yoshua et Rabbi Gamliel, eux, balançaient le loulav uniquement lorsqu'ils disaient le pasouk Anna Hashem Moshiana. Deuxième sujet de la Mishnah. Misheba Baderech, Veloaya Beyador Lulav Letol. Celui qui revient, qui vient du chemin, il était en voyage, en déplacement, et il arrive chez lui à la maison, il n'avait pas de Lulav là où il était. Dirchekenese le Beto, Itol al Shukhano. Je traduis, après on explique un peu. Quand il rentrera chez lui, il le prendra même lorsqu'il sera sur sa table. Alors, t'as pas dit d'attendre d'aller te mettre à table, tu vas prendre le Lulav. La Mishnah est venue m'enseigner, tu sais, si toi, quand tu arrives chez toi, t'as oublié que t'avais toujours pas pris le Lulav, t'as commencé à manger, t'es à table. Dès que tu réalises ton erreur, ton omission, dépêche-toi, tu t'arrêtes tout de suite et tu prends le loulav. Sur ça, deux précisions importantes que la Gemara nous dit. D'abord, pour tout ce qui est mitzvah de Horaïta, si vous avez le devoir de faire une mitzvah de Horaïta, vous avez l'obligation de vous arrêter tout de suite, de la faire le plus vite possible. Si vous avez oublié, vous avez commencé à manger, vous vous arrêtez, vous faites tout de suite votre mitzvah. J'ai appris récemment, malheureusement, un bachour yeshiva, le pauvre, il était chez lui à la maison, il n'avait pas les tefillines, il a prié, il arrive à la yeshiva un peu en retard, il n'a pas mis les tefillines tout de suite, et puis quand il a voulu les mettre, le mashgiach lui a dit non, tu les mettras plus tard. Le mashgiach a fait une grave erreur, il a passé la journée, et il est arrivé une demi-heure après le coucher du soleil, pour mettre les tefillines. Il s'est enfin souvenu, il a quand même voulu sauver la vie de Rabbeinu Tam, que peut-être qu'on peut les mettre encore un peu plus tard. Catastrophique. L'erreur qu'il a fait, le bachour, d'abord mettre les tefillines le matin, mais même s'il a eu un empêchement, les mettre le plus vite, interdiction de manger tant que tu les as pas mis. Et même si tu te souviens que tu les as mis à table, tu vas les mettre tout de suite. Et le mashgiach, il avait bien évidemment pas il a eu tort de lui dire de patienter. C'est très triste d'avoir manqué un jour de tefillin dans sa vie, je ne sais pas. D'accord? Donc, ça, c'est quand c'est une mitzvah de Horaïta. Même si tu manges, tu t'arrêtes. Quand c'est une mitzvah de Rabbanan, on n'a pas l'obligation de s'arrêter tout de suite. Alors, qu'est-ce que la Mishnah? Maintenant, le loulav, la Gemara explique. S'il vient du chemin, c'est que c'est un jour de Chol HaMoed, c'est pas un jour de Yom Tov. Donc si c'est un jour de Chol HaMoed, la mitzvah du loulav, elle n'est que Midera Banane. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me dis de prendre le loulav tout de suite à table? Laisse-moi finir mon repas, je le fais après. Réponse, Agma explique qu'on parle qu'en fait, il est en train d'approcher la fin de la journée, c'est bientôt la Shkia. Là, tu t'arrêtes tout de suite et tu fais ta mitzvah. D'accord? Tout ce que je te dis que tu n'as pas besoin d'attendre la fin du repas, c'est que lorsque, si tu, quand tu finiras, tu as encore le temps de prendre, de faire le loulav. Autre sujet, l'onatal shacharit, itol ben arbaim, s'il n'a pas pris, il n'a pas fait la mitzvah du loulav le matin, il n'avait pas de loulav, il a eu un empêchement, peu importe, ça peut arriver malheureusement, eh bien, itol ben arbaim, il prendra le loulav dans l'après-midi, à l'approche de la soirée, dès que ça se présentera, tant que le soleil n'est pas couché, chez kolayom kasher le loulav, car toute la journée elle est kasher, pour accomplir la mitzvah du loulav. D'accord? C'est, entre parenthèses, j'ai dit le coucher du soleil, c'est pour faire la bracha. Si ça prend le coucher du soleil, il rentre en marloquette, en discussion, en doute plutôt. Est-ce que, à partir de quel moment ça commence à tomber la nuit? Est-ce que c'est dès que le soleil commence à se coucher? Est-ce que c'est un quart d'heure après? Est-ce que c'est quelques minutes après? Il y a tout un vaste sujet. Concrètement, avant que ce n'est pas encore révélé, la sortie des trois étoiles, il fera la mitzvah du loulav, mais sans bracha. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, salam.